Bonjour, bonsoir la famille. Fais quoi ici, rentre chez vous. On est là pour vous présenter les étapes d'une fondation de construction du bâtiment en trois dimensions. Plus précisément, la construction d'une fondation avec des semelles filantes et le renforcement des poutres horizontales. Après la séance des fouilles adaptées à la nature du terrain, les armatures de fondation sont positionnées sur le fond de fouille de manière à se recouvrir. Et on a pu constater que le béton des semelles et des chaînages verticaux sont coulés. Arrivé à cette étape-là, le renforcement des poutres horizontales est mis en place pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction. Et tout de suite après, les chaînages horizontaux sont collés, puis le prolongement des colonnes est installé et la tente de drainage est mise en place. On construit une fosse septique d'une surface de 8 mètres carrés et d'une hauteur de 2 mètres 50 de deux compartiments pour alimenter les services des eaux usées et des eaux domestiques, tout en appliquant la mise en œuvre de l'installation de drainage de la fondation vers la fosse. Et c'est par là qu'on arrive à cette étape de la fondation.